C'est Pedro! Ben oui! Ben oui, j'ai dit que j'allais être plus régulier. Mais ben, faut pas me croire. Faut pas me croire. Ça fait je sais pas quel jour que j'ai posté ma vidéo. Ça fait plus d'une semaine, je pense. Bah ouais, la vidéo précédente, je disais que ça faisait une semaine que je faisais pas de vidéo, que c'était grave. Bah ça fait plus d'une semaine. Bah ouais, c'est chaud les gars. Donc les gars, aujourd'hui on va se retrouver, pas pour le défi, parce que le défi, j'ai attendu de voir quel commentaire allait avoir plus de j'aime. Et vous verrez ça à la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, je pense que ce sera le défi. Et donc aujourd'hui, on va partir pour une draft. Mais pas n'importe quelle draft les gars. Aujourd'hui, je m'en fous du collectif, je prends les meilleurs joueurs. N'importe quelle position, je prends les meilleurs joueurs. Donc les gars, on va partir sur un... ou la compo que je préfère, sur un 4-1-2-1-2 étiré. Et on tombe contre du... POU! D'entrée les gars, d'entrée, on tombe contre du Messi. Messi Totti, bah ouais. On commence par les remplaçants ou par l'équipe titulaire? Dites-le moi. Je sais que vous pouvez pas me le dire, mais je pense que vous m'aurez dit de commencer par l'équipe titulaire. Donc on va commencer par l'équipe titulaire. Et là on tombe contre du... Ouh, on a du lourd. J'ai envie de tester un petit man of the match. Je n'ai testé aucun man of the match pour l'instant. On va partir sur un man of the match, Llorente. Et de ce côté on tombe contre du... Ouh, qu'est-ce qu'on peut choisir de meilleur ici? Slimani a l'air très bon. On va prendre du Slimani. MG, un Ronaldo Totti. Coutinho, 86 de général. C'est quand même chaud ça hein. 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. On part sur du Coutinho. Bien évidemment, en MOC, on tombe contre du... POUM! Ou Dimitri Payet ou Thomas Müller. Mais je pense que Thomas Müller, ça doit être une dinguerie. On part sur du Thomas Müller. L'équipe, c'est n'importe quoi. Mais on s'en fout parce qu'on a les meilleurs joueurs. Ici, on... Ouais, il n'y a pas de bons joueurs. On va taper du Diaby. C'est pas grave. On le changera sûrement. En DG. Contre du... Ouais. Je sais que les Madrilènes vont dire Marcelo, c'est le meilleur. J'aime beaucoup Real Madrid. Mais Alba, 92 de vitesse. 82 défense et 76 de physique, c'est bien. Mais le 92 de vitesse, mon gars, c'est ce qu'il faut pour un défenseur latéral. En entrée, en défenseur central, on a du Pepe, portugais, grand défenseur. C'est dommage qu'il ne joue plus. Il a joué un match dernièrement, il a marqué un goal directement. Bam, ici, Mascherano ou Godin. Godin, bien évidemment, qui est très 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 fort. 88 de général, et c'est même pas... On va prendre le Totti, bien évidemment, même si l'arme, c'est un très grand joueur et le gardien d'une heure. Bon, c'est pas vraiment d'une heure, mais trappe en boost très fort. On part sur les remplaçants, les gars. On va pas trop s'attarder sur les joueurs parce que sinon, ça va être une trop longue vidéo. Ici, on prend n'importe quoi parce que c'est très nul. Après, ici aussi, c'est nul. Ici, qu'est-ce qu'on va tomber? Qu'est-ce qu'on va tomber? C'est pas français, mais on tombe comme de la merde. Ouh, on va prendre du Fonté parce qu'il est portugais, c'est pas grave. Et on a que des joueurs de merde là. Je suis censé faire ma meilleure draft. On prend Coquet, c'est pas grave. Là, il y a du lourd. Il y a du lourd. J'ai besoin d'un MDC. Un MDC qui soit bon. Et pour l'instant, Guarín m'intéresse fortement. Guarín, je le prends. Je le mettrai à la place de Diaby. En attaque, oh lo. On a du Costa qui est bien meilleur que Slimani. Et on a du Gareth Bale qui n'est pas meilleur que Messi Totti. Donc on va prendre du Costa les gars, qu'on mettra à la place de Slimani. Ensuite on a du... J'allais dire Gareth Bale, il force. Mais après j'ai vu Ronaldo. On prend Ronaldo bien évidemment, c'est même pas une question qui se pose. Ici, on va prendre du... Ce n'est pas un joueur que je mettrais. Donc, on s'en fout. On a déjà des bons BU. Depay, man of the match. Bien évidemment. Je sais pas où je le mettrais. Mais je sais même pas si je le mettrais. Encore un... Ok. Même s'il y avait une signée, ce n'est pas un joueur que je vais mettre. Et Neymar, bien évidemment. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui me voient le C, là. On se retrouve pour l'équipe officielle. Donc voilà les gars, on va partir avec cette équipe. Kevin Trapp au but. David Alaba. Non. Oui. Jordi Alba. Putain. Je me suis trompé de joueur, mais c'est pas grave. Jordi Alba en défenseur latéral gauche.
en DCPP, Godin en 88, Totti, Dani Alves, Totti, Messi. En MDC, on a du Freddy Guarin, ensuite du Neymarinho, ensuite en MOC, du Thomas Müller en 88. Après, on a du Chelsea, Diego Costa 87. Et ensuite, la petite pépite, Ronaldo 96. Après le banc, on voit que c'est une petite dinguerie aussi. Du Depay en Man of the Match, du Llorente Man of the Match, du Mina. Ça, Mina, Mina. On a du 88 de notre général. Et du collectif 65, c'est pas le top. Mais je pense qu'on peut faire du lourd. Quand vous avez des joueurs comme ça, les gars, vous pouvez que faire du lourd. C'est pas possible de pas gagner un match pareil. C'est parti, on se retrouve quand on a un adversaire, les gars. C'est parti, on a notre adversaire. Oh. Ok, la Messi Totti. Il a. Comme joueur que j'aime bien, il y a du Varane, du Godin normal, c'est pas le top. Il y a du Philippe Luis, il a du Coutinho, qui j'ai aussi dans mon équipe. Et Aubameyang. Mais Coutinho, je le fais pas jouer. Aubameyang normal, c'est pas la même chose que le boost. Le boost, c'est une dinguerie ce type. Donc c'est parti pour ce match. Et comme MHD le dit, je vais essayer d'y aller mollo mollo. J'y vais mollo mollo, MHD va mollo mollo, frappez mes mollo mollo. Avec une équipe pareille, les gars, je pense qu'on peut faire du sale. Costa. Costa, c'est la première fois que je le teste sur FIFA. Même le normal, je ne l'ai toujours pas testé. C'était une fin de frappe, mais c'est pas grave. Neymar, il la récupère et boum, c'est dedans. Ben oui. Vous voyez les joueurs qu'on a, les gars. Les joueurs qu'on a. Mais c'est pas possible. Tu fais pas de bruit. Sinon, je t'affiche à la caméra comme la fois passée. Bien joué, ça. Tu donnes à l'intérieur pour Guarin. Grosse frappe de loin. Ouh, Kameni. Bel arrêt. Non, Messi! Wouh! Kevin Trapp, il est chaud. Kevin Trapp, il est chaud, c'est son match. Oh, l'arrêt qu'il vient de faire contre Messi Totti. Oh, Messi Totti. Faut en profiter, là. Messi Totti. On fait une petite fin de corps, comme Messi sait bien les faire. Une petite enroulée. Et, ouh, Kameni, il est chaud aussi. Pas besoin d'avoir beaucoup de collectifs quand on sait jouer à FIFA. Vous voyez? Mais pourquoi c'est pas Ronaldo qui l'a pris? Pourquoi ce n'est pas un petit lob? Oh my god! Oh my fucking god! Ronaldo, il met un lob. Tranquille. Tranquille, pas. Et voilà, les gars. Vous voyez maintenant qu'on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de collectifs pour gagner des drafts. En tout cas, un match au moins. Parce que déjà, gagner un match sur une draft, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Bon, les gars, on voit bien à la mi-temps que je le domine. Ok, 50% de possession. Mais 7 frappes cadrées, 5 cadrées, 7 tirs, 2 buts. Lui, il a 3 tirs, 1 cadré. On peut dire que je domine. On va faire entrer Depay. Thomas Müller. Thomas Müller, c'est au moment. Thomas Müller, malé. Kameni, il est chaud aussi. Kameni, c'est vraiment le gardien qui a moins de 80 général, mais qui est vraiment trop chaud. Oh, les fans de corps de Messi, c'est incroyable. Les fans de corps de Messi, c'est incroyable. Mais comment voulez-vous, moi, quand je tombe contre Messi Totti, limite, j'ai envie de quitter le match avant que je commence. Il est trop fort. Désolé, Cristiano Ronaldo, mais Messi Totti, il est trop fort. Neymar va la mettre. Ouh putain, Trapp, il est chaud. Waouh. Ronaldo va y aller tout seul parce que c'est un bonhomme. Ah, mais ils l'ont fauché. Désolé Ronaldo, mais c'est Messi qui va tirer à ta place. Est-ce qu'il va la mettre? Voilà. Neymar va aller tout seul. Neymar va aller tout seul. Et Neymar la met. Il faut pas avoir de collectif pour gagner. Il ne faut pas avoir de collectif. Il suffit d'avoir de bons joueurs. Putain, on se casse la tête à avoir le meilleur collectif. Et pas besoin. Pas besoin de tout ça. Et Ronaldo qui fait l'appel. Bon, c'est magnifique. Un petit deuxième lob. Oh, oh mon dieu. Moi je sens que MHD, la dernière musique qu'il a fait, pour moi. C'était pour moi. Vas-y mollo mollo. Mollo, je connais pas les paroles, je connais que mollo mollo. Mais c'est pas grave, j'ai fait mollo mollo mollo. Il va rara, je quitte. Oh my god, il arrache quitte. Moi je voulais finir mon match. 5-0. Putain. C'est ma meilleure draft, les gars. Donc les gars, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié les goals, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.
à me suivre sur Twitter, à vous abonner. Allez, s'il vous plaît, partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Allez, je fais comme les autres youtubeurs. Je vous supplie de partager ma vidéo, s'il vous plaît. Comme ça, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de likes, j'ai plus d'argent et je vous rendrai pas l'argent. Wow, je suis un youtubeur bâtard. Donc les gars, plus sérieusement, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je le répète. Et on se dit à une prochaine vidéo. C'était Pedro C2O. Ciao. Mollo, 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 mollo